Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de la Voix des âmes. Nous sommes mardi 23 mai 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, je vais bien. À part quelques petits bobos, mais ça va. Allez, dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourrirai le plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous vous dites ça tous les matins, c'est magnifique, c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Voilà, parce que vous êtes très positif le matin et vous croyez en ce que vous dites, ce que vous pensez. Et puis, bien oui, quand on pense positif, on attire le positif, hein, évidemment. Aujourd'hui, j'ai pigé calme. Alors, ton âme, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Peut-être que tu ressens que quelque chose de très important arrive pour certains d'entre vous, hein. Tu as peur de te tromper ou tu as peut-être peur d'y croire. Et pourtant, n'est-ce pas? Tes ressentis, eh bien, ils sont justes, vraiment. Ils sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Et tout ce que tu ressens, eh bien, est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je le sais. Je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là. J'étais là avec toi pour te tendre la main. Et ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Tes guides, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là, n'est-ce pas? Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait. Et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Tu oses dire ce que tu souhaites. Et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte, eh bien, une énergie merveilleuse, d'inédite. Cela apporte, eh bien, de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis si longtemps. Tu es là. Tout va bien. Tout est là. L'entité, je te parle
mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme, tu as besoin de moments de silence, tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence. C'est en étant en contact, eh bien, avec toi. Alors prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Et ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi. Je n'avais pas l'habitude de m'écouter. Et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. Je laissais beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Alors, écoute-toi. Écoute-toi. Sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. Je suis là, tu sais. J'attends juste que tu crées la place intérieure pour que je puisse te parler. Waouh! On termine avec la guérison des 5 blessures. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé une carte humiliation. Aujourd'hui, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer, donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Je vous souhaite une toute belle journée et puis on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.